Une vingtaine de femmes de Bégoua dans le 9e arrondissement de Bangui ont échangé le 2 avril 2024 en langue nationale Sango avec le service de la lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS, sur les risques liés aux restes d'explosifs de guerre en République centrafricaine. Ces femmes-là sont des mères au foyer, ce sont des mamans, ce sont des femmes qui travaillent entre elles. Ces femmes peuvent porter notre voix beaucoup plus loin dans la communauté afin de pouvoir également sensibiliser les autres, sensibiliser leurs familles, sensibiliser les enfants sur les dangers de ces engins explosifs. Certaines participantes ayant malheureusement vu leurs enfants être victimes d'engins explosifs tels que des grenades ont partagé leurs témoignages émouvants. Au cours de ces discussions, il a été fortement recommandé aux participantes de sensibiliser leur communauté à ne pas manipuler ces engins dangereux, mais plutôt d'alerter les autorités compétentes pour une intervention sécurisée.